Donc là, on va mettre à mariner du chevreuil. De quoi est constituée la marinade? On a donc des chevreuils portionnés à 50 g par morceau. On a ensuite des oignons. Des oignons, de l'ail germé. Pour compléter, des carottes. Des carottes taillées en paysanne, en mirepoix ou en paysanne. D'accord. Donc on va ensuite, on va d'abord dans un premier temps ajouter la garniture. Garniture aromatique. Ensuite, on va, je vais te laisser mouiller François, mouiller la marinade avec le vin rouge. On y va. L'objectif, c'est de tout simplement recouvrir la viande de vin rouge. Moi, je fais un petit peu pour éviter d'en mettre partout. Sel, un peu de poivre en grain, un peu de thym, un peu de laurier, encore une fois, c'est que la viande soit complètement recouverte, complètement immergée. Et qui est vraiment une osmose qui se fait avec différents éléments, c'est-à-dire la carotte, l'oignon, l'ail, le thym, laurier, sel et poivre, et bien sûr la viande. Hein. On va terminer avec une petite couche légère d'huile qui va nous permettre, si jamais la viande est en surface, d'éviter qu'elle ne se dessèche, qu'elle ne croûte, tout simplement. On va laisser mariner au minimum 24 heures pour ensuite utiliser la viande et bien sûr la marinade pour la cuisson du ragoût à bois.